Oh. Ah, ah, ah. Oh my god! Cannes! Pourquoi j'habite à Paris quand Cannes existe? Oh my god! Je suis tellement dans le thème, les gars, je suis à Cannes pour le festival Cannes Série. Le mood board, c'est rose. Moi, il fallait vraiment pas m'en dire plus, hein. Je vous dis bonjour à la cannoise. Bonjour. Comment ça va? Moi, moi. Ah non, dans le sud, c'est à gauche. Moi, moi. Je suis surexcitée d'être à Cannes. Faut qu'on aille voir la mer, là. Et moi, je suis avec ma mère, Lily, Lisa. Mais pourquoi tu te mets par terre, par contre, ma chérie? Assieds-toi. Assieds-toi sur une chaise. Oh, très cannoise. Je suis contente qu'on va passer le week-end ensemble, parce que ça veut dire qu'on va encore plus se rapprocher. Tu me plais. Voilà, ça pourrait être une série. Ouais, mais les plans comme ça, le réel, il dirait vraiment non. Quelle heure il est là? On est en retard. Oui, mais 14h20. Oui, mais 14h20 dans le sud, c'est l'heure de la sieste. C'est vrai. Petite sieste? On a faim. Ouais, on a faim. On a très faim. Viens, on va voir la mer. Ça a l'air très délicieuse. Chère Maya, nous sommes ravis de t'accueillir pour cette 7e édition de Cannes Série pour enfin présenter la série dans laquelle tu tournes, Armani Beauty. Merci. Ça a l'air délicieux, ce gloss. Fard à joues, excellent. Excellent. On est avec Armani Beauty, qui est une marque de make-up que j'adore, parce qu'ils sont partenaires officiels du festival Cannes Série, qui en fait est un festival international de séries. Cannes Série, on est à Cannes, on présente des séries. Et ce soir, on va... Mais je vous spoil pas, je vous spoil pas. Est-ce qu'on va faire un petit tour à la mer, histoire de s'aérer? Ouais. Après, on rentre et ça va barder. Prête? Oh putain, ça me plaît énormément. Ah, avant, moi j'habitais au Canet. Moi je suis de Mougins. De Mougins? Initialement, je suis de Mougins. Avant, j'habitais à Pégomas, c'est à 15 km. Ah, c'était à 15? 15, ouais. Mais t'es toujours en dehors, t'es jamais dedans? Non, jamais dedans. Je suis stressée ce soir, oh là je là présente là ma série. Un stress, maman. Tu connais des agents qui marchent très vite derrière les et qui marchent comme ça? Le coach scénique arrivera à 18h, Maya. Je rentre plus à Paris, c'est terminé. Merci beaucoup. Tu t'es régalée, ma belle, là. Putain. Comme d'hab. T'es lourde. Ce gloss, il est plus délicieux que mon repas. Oh là là, là je me détends un peu parce que ce soir, vraiment, je suis stressée. On monte les marches, je présente ma série, c'est mon premier rôle. Oh là là. J'ai des souvenirs du tournage en plus parce que c'était juste ici. Non, en vrai, j'ai rencontré Jules là. Enfin, je l'ai pas rencontré, mais genre, on s'est dragué là, de ouf. Ça te gêne? Imagine si là, je devais jouer une scène de série, ok? Là, je suis ton mec. Ouais. Et je suis en train de te quitter. Je vais pas passer par mille chemins, mais je veux... Voilà, on se sépare, c'est terminé. Je te quitte. Mais t'es archi nul, frère. Il faut qu'on sépare, je suis plus amoureux de toi. Je serai plus jamais, je sais pas comment te le dire, je... Voilà. Ok, la deux options s'offrent à moi. Soit je pleure, mais dans le film, je vais plutôt être en mode... Ok? Non. Bah c'est marrant parce que j'allais te dire la même chose. Toi non plus, t'as plus ce truc-là? Putain, merci beaucoup. En plus, j'ai rencontré cette meuf, elle est géniale. Elle te ressemble un petit peu d'ailleurs. Il y a un peu de toi en elle et... Ok. Tu m'en veux pas, hein? Non. Tu me promets? Non, moi je sors avec ton père. En fait, Maya adorable, elle joue dans une série qui est hyper mal jouée, mais que par elle. Maya, s'il vous plaît, Maya. Maya. Maya, une minute, deux minutes, on en aura pour deux, trois minutes, j'ai vraiment quatre questions. Oui, allez-y. Ok, de quoi vous êtes-vous inspirée pour la série? De la vie, des couleurs, d'Armani, enfin voilà quoi. Ok, vous êtes maquillée par Armani là? Ouais, ça se voit, non? Tout votre maquillage est fait là? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis désolée, on peut se revoir ce soir, Maya? Putain. Allô? Ah super, oui bien sûr, aucun souci. Wouhou, je suis en train de me préparer, la maquilleuse arrive, elle est à la réception. Donc là je vais me faire maquiller en full Armani pour du coup la projection de ce soir. On va aller voir l'avant-première du coup d'une série au Palais des Festivals. On va faire un make-up très doux, un peu violet comme ça. Comment ça s'appelle dans le monde des make-up artistes, un make-up comme ça? Oh, un make-up frais surtout. Frais. J'ai hâte de tester les nouveaux blushs. Ils ont l'air choquants. J'adore les blushs liquides. On va appliquer les deux nouveaux blushs de chez Armani Beauty. Donc c'est les Luminous Silk et c'est la teinte 50.5 et 41 mélangés.
Pour les yeux, on va mélanger celui-ci, le 56S. Et ça, c'est exceptionnel, j'ai jamais vu. Eyes to Kill Stellar. Ça, je le mange. En plus, j'ai jamais fait de make-up violet. Ah bah écoute, alors génial. Make-up terminé. Et là, je viens de me rendre compte qu'il me reste peut-être ouais, 10 minutes, 100 minutes pour faire mes cheveux. Ça va être approximatif. Je vais faire un wavy un peu massif et exprès. Là, c'est la merde. Hein, parce que j'ai même pas essayé ma tenue. Maya a commencé ses cheveux seuls car le coiffeur ne vient que dans 5 minutes. Ok, c'est bon. En fait, il y a un coiffeur qui arrive dans 5 minutes, mais on doit partir dans 10. Donc, je sais pas comment. En train de faire de la merde. On y va, on est très en retard. Comme on est en retard, on passe en même temps que l'équipe de la série. Donc là, je vais voir mon tonton Jamel. Je vais lui dire, écoute mon chou, mets-moi dans la prochaine. Jamel. On se connaît très bien avec Jamel, c'est juste qu'il m'a pas vu là. Pour une fois qu'il y a des marches à ma DA, tout est rose. C'est le tapis chibi. Regardez tous les photographes, je suis choquée. Ils sont tous venus pour moi. C'est bien passé cette montée, de toute façon t'as l'habitude toi. Alors moi ma première montée des marches c'était en 95. Et tu le fais tous les ans? Tous les ans, 3 fois par an, 4 fois par an. Waouh. Et tu fais tous les soirs? Tous les soirs. Et c'est quoi une, comment on dit, une projection dans le jargon? Une proge. Je crois que j'ai mis une bonne ambiance. Brian Boulet, je vois tout lit, je vois Maya Dora. Enfin, c'est tout, tout le monde, sauf moi. Il a oublié. Il a oublié de dire Maya Dora. Il va taper la vraie présentation. On vient de sortir de la séance, c'était excellent. On a regardé 3 épisodes de Terminal en avant-première. Et je sens que Julie va me dire putain, et t'as regardé sans moi. Après, il va regarder, il va pas m'attendre. C'est que sa cam. C'était excellent, mais là, il commence à faire très froid. Et mes caches tétons, ils commencent à se décoller. Donc, je t'explique, si on rentre pas à l'hôtel dans les 5 minutes qui arrivent, mon téton, il va dire bonjour à Toucan. Excusez-moi, Maya. Maya, vous avez pas 2 minutes, s'il vous plaît, Maya. Maya adorable, s'il vous plaît, juste vous avez pensé quoi de la série? Ça prendra une seconde. Écoutez, s'il vous plaît. J'ai joué dans la série, d'accord. Je sais, vous avez été coupé, ça vous a brusqué, ça vous a fait du mal. S'il vous plaît, Maya, ça prendra. Je vais prendre cet angle-là plutôt. It's time to go to bed. On se fait pas une petite scène au lit là? Une petite impro? Fais genre que tu dors. Là, je fais genre de dormir, ouais. C'est une scène de sommeil. Ouais. Putain, yes. Et endors-toi vraiment, s'il te plaît. C'est vrai que c'est ouf parce que pour dormir, il faut faire semblant de dormir. Oh la vache, qu'est-ce que tu dors? Quoi? Qu'est-ce que tu parles? Ah ça y est, t'en as déjà marre. 10 heures qu'on est ensemble, on en a déjà marre. Très décevant. Quoi? Je me mets dans ton lit. Quoi? C'est quoi la blague? C'est quoi la blague? C'est pas si drôle. Quand tu rigoles trop mais qu'après c'est pas drôle, c'est décevant. En tout cas c'est hyper cool parce que le lit il est vraiment grand. Donc voilà, bonne nuit tout le monde. Bisous à tous. Et à demain. Bon bah voilà, première journée du festival. Franchement la série elle est hyper bien passée hein. Je suis hyper contente des retours du public. Ouais. Ils m'ont trouvé vraiment authentique. En fait le seul problème c'est qu'ils m'ont coupé complètement du montage. Ouais mais... Mais ça a du charme. En fait, on ne te voyait pas, mais on te sentait. On me sentait dans les loges. Ouais. Les gens, j'entendais chuchoter Vincent, Maya... Mais tu sais que ceux qui comprennent pas cet humour, ils vont vraiment se dire, mais elle a été coupée en montage. C'était trop sympa. Comment ça s'appelle dans le jargon du cinéma? C'est une sitcom. Et en fait, il y a des rires dans le fond, et c'est le rire d'un vrai public qui était là sur le tournage. C'est trop stylé. Ça. Non, franchement, c'était trop drôle. Franchement, c'est... Casting excellent. Excellent. À demain. Du coup, babe, je pense que tu te filmes, mais tu dors vraiment. Mais ça peut durer des heures si tu veux. J'arrive là. Je réfléchis juste à ce que je vais filmer. J'arrive.
Good morning, Cannes. The premiere of my... J'ai un abcès, je crois. Moi, j'ai une rage dedans. Ah, c'est ça. Ah. Ah. Je sais pas, je suis pas dentiste. Bah, non plus. Là, il est actuellement 9h44. À 10h30, je suis au palais pour faire une visite privée avec personne en backstage. Comme ça, je peux réviser où je vais aller ce soir pour present my series. 10h30, je suis au palais. Sinon quoi? Sinon quoi? Vas-y, dis-moi. Mais fais un truc quand même qui t'amuse mais qui t'emmerde. Te faire un bisou. N'importe quoi. Ok, 10h30 au palais, sinon... Par contre, faut que je choisisse vite, parce que si tu choisis pas avant 9h47, il se passe rien. D'accord. Sinon, tu dois parler avec un accent québécois tout le déjeuner à Manu Beauty. Je sais pas faire. Bah, avec un accent du sud. Ah, mais ça fait beau, ça. Ouais. Non, sinon, pendant tout le déjeuner à Manu Beauty, je dois dire d'accord à chaque fin de phrase. Dès que je pars, je dis d'accord. Mais j'y suis pas là pour vérifier. C'est ça, l'histoire. Enfin, bref, 10h30, je suis au palais. Petit café. Pourquoi il est chaud, mais il est froid? Parce qu'il a été livré il y a une heure. Non, non, il est froid, mais il est chaud. Grande gourmande. C'est dégueulasse le café, hein, vraiment. Ah, c'est une clémentine. Elle est grosse quand même, frère, pour une clémentine. Non. Clémentine. Challenge, il faut que je l'épluche d'un seul morceau. Sinon, Julie va te tromper. T'es vraiment bizarre, quoi dire ça? Regarde, tu vas y arriver. Et voilà. Moi j'adore les trucs blancs. Quoi? J'adore manger les trucs blancs. Ok, pick me. Non, sur ma vie. Moi dans l'avocat, je mange le noyau, hein. Mais non, mais... Vas-y, viens, tu me fais une... Donne-moi la réplique. Le petit déj, genre, je suis choquée, genre. Maya, il faut que vous soyez prête dans 4 minutes. Jennifer Aniston est en bas et elle veut vous recevoir dans votre chambre. Quoi? Pas mal. En fait, il faut pas que j'oublie que quand t'es actrice, tu joues des scènes de la vraie vie. Donc si tu te comportes pas comme dans la vraie vie, mais en même temps t'as un personnage. Carolina, tu vas pas me la faire à moi. Là, t'aurais parlé comme ça? Non. Non mais moi je pourrais pas. Tu sais, Julie, il a pété un plomb cette nuit, il m'a envoyé un message trop chelou. 4 fois urgent, 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 à 4h16, 4h19, 4h20. Vas-y, fais ta blague. C'est pas une blague. Montre, si t'oses. J'ose pas. C'est une blague. Tu vois, là, t'as aidé, toi. Tu vois, c'est cette typologie d'exercice qu'on va mettre en place. Donc là, on va au palais juste avant la séance pour pouvoir faire un tour du palais vide. Un peu en mode backstage. Ça va être très sympa. Et je vais voir si je peux pas me trouver un petit rôle. On a notre badge et là, on va entrer par une entrée qui s'appelle l'entrée des artistes. Et en fait, c'est là où les stars et moi... Aucun rapport, mais je vais participer. En fait, quand ils ont pas envie de monter les marches, parce qu'ils sont en mode non, mais tu vois, moi je présente mon film, mais je peux pas, je suis pas trop, et ben ils rentrent par là en scred. Donc là, je vais vous montrer l'entrée en scred, l'entrée des artistes. Je pense qu'ils vont le renommer, ils vont mettre l'entrée des artistes. Et Maya Adorable, elle est rentrée une fois aussi, mais c'est pas une artiste du tout. Ah, c'est excellent. Pour ajouter ma photo là, grave, ça ne saurait tarder. Je vais vous présenter mon public pour ma série. Donc voilà, c'est là où ce soir je vais présenter toute ma série avec l'équipe du film. Ok. Tu peux montrer la scène s'il te plaît, Patricia? C'est énorme. Hein. Et donc bah, toi t'as l'habitude d'être même sur ce tapis là. C'est ça, moi j'ai vraiment l'habitude donc voilà. Là, génial. Je suis obligée dessus, je crois. J'aime, regarde trop. Voilà, bon, je te donne pas la réplique maintenant. Non, me donne pas la réplique, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même. Ouais. J'ai pas l'habitude de voir ça devant trop de gens. Alors là, on le voit pas trop, mais en fait, la foule est en délire. La foule est en délire. Ouais, c'est un vrai délire. Merci à tous. Bon, là, je pars, mais je reviens tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Waouh! C'est ouf avec la 3D de Capsule, c'est trop stylé. Là, pour le coup, on dirait vraiment la fin ou le début d'une série, tu vois, en mode sur. La terrasse comme ça, vue sur la Croisette. Non, je monte pas les marches. Non, Michael. Je te l'ai déjà dit. Là, j'étais bien, là. Ouais. Là, en fait, moi, quand on me donne pas la réplique, j'y vais, moi. Ouais, j'ai pas très bien compris le scénario, mais ouais. En fait, c'est là, je suis une star de cinéma qui bosse avec Michael. Ouais, t'as de la baffe aussi. Attends. De la bouche. Ça me saoule parce qu'elle pense qu'elle joue bien et moi, j'en... Mais, attends bien. Et en plus, elle me donne des ordres. Saison 1, 4ème scène. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. T'es complètement malade. T'as cru que j'allais monter les marches sans mon blush Armani? C'était bien? Ouais,
C'était bien, hein? Ouais. J'étais dans le personnage. Ouais. C'était cool. Ouais, vas-y. Je monte les marches, il y a grave des photographes, je suis hyper stressée. Je sais, mais vas-y. Tu me dis si je suis belle, hein? Oui, je te dis, promis. Oh waouh! Plus à gauche, regardez à droite, s'il vous plaît. À droite. Merci, à gauche. Sublime. Ah, ils sont en délire là. Ah là, le. Ouais. Vous savez que les marches de Cannes, il y a 24 marches pour les 24 heures d'une journée. Et là, elles sont roses, donc c'est excellent. Et regardez, la casquette a été changée ce matin. Alors, en fait, je l'ai vue en train d'être changée quand j'étais en train de courir sur la croisette. T'avais pas ta caméra à ce moment-là? J'avais pas ma caméra quand je courais, bah non. C'est mon me time. Donc je pouvais pas prouver. Bien sûr. Mais j'ai couru de ouf. Je suis prête, on va déjeuner avec l'équipe Armani. Il y a du beau monde qui est arrivé et là je me suis maquillée. Donc j'ai mis le cheek tint en teinte 53, il est incroyable. Et le gloss en teinte 5. Et je trouve que les deux vont trop bien ensemble. On arrive sur nos terres. Ça va? Ça va et toi? Putain, c'est prêt, hein? Oula. Mouah. Coucou. Régale-toi, petit lézard. Mmh. Wow. Comment se passe ton séjour à Cannes, Maya? Ça me fait très plaisir d'être de retour à Cannes. T'es cannoise dans l'âme. Cannoise. Ah, tu pourras me maquiller? Il y a des maquilleurs? Oui. Non. Andy, bisous, fais attention à toi. Envoie-moi un message quand t'es arrivé. Andy, bisous. Andy, je t'aime. Ce soir, ma tenue, c'est ça. Donc je me dis que ça peut être pas mal de faire un make-up rose. Avec les blushs, ça va être excellent. C'est le pire plan OOTD. Il y a toute la France. Pourquoi on va pas à la même soirée? On va à la même soirée. Non mais on dirait pas. Alors franchement, c'est un délire. Franchement, elles sont sympas mes schlappes. Bon, là, je montre à tout le monde le chemin. Parce que comme j'étais là hier et que je suis cannoise... C'est par ici les choupettes. Par contre, maintenant qu'on est arrivé, j'ai plus du tout envie d'être en première. Moi, mes chaussures, elles sont tellement confortables que je peux monter les marches 4x4. Contrôle billet, contrôle gloss. Il n'y a personne qui passe à ton portique. Hein. S'il vous plaît, vous avez votre billet? Votre gloss? Oui, c'est pour ça que c'est bon. Allez-y. Oh là là, on va en backstage. No entry, sauf pour nous. Attention. Bonsoir. Merci. Oh là là. Là on est dans les backstage, on est vraiment derrière la scène. Donc on va pouvoir assister à la cérémonie de remise de prix à Ella, qui en fait est l'actrice de la série Fallout qu'on va voir ce soir en avant-première. Et donc là on va pouvoir avoir le point de vue du backstage. Donc en fait on va être sur le côté de la scène, très proche. C'est trop stylé, je suis trop contente. Et j'ai l'impression que je vais passer sur scène, alors que pas du tout, je vais juste regarder et remettre du gloss. Je porte le 01, c'est le transparent. Il est délicieux. J'adore, je trouve content d'être backstage. J'ai l'impression, vous voyez, quand il y a le spectacle de fin d'année. Quand t'es petit et que t'as l'impression que la scène elle est énorme, alors qu'en fait, avec du recul, la scène de spectacle, de pestacle de fin d'année, quand on était petit, c'était microscopique. En plus, moi j'étais toujours tout derrière. Mais là. C'est tellement stylé. Ce soir, nous remettons un prix exceptionnel qui récompense. C'était trop stylé. Merci beaucoup. C'était incroyable, merci beaucoup. Et maintenant on va en salle pour pouvoir voir les deux premiers épisodes de la série. Moi je suis dans le prochain épisode. On est rentré de la soirée Armani. On a fait un chit chat avec Andy dans la chambre, sauf qu'elle est partie. Et vu que là je vais dormir, je la rappelle pour lui dire bonne nuit. Je te suis pas. Elle va croire qu'il y a un vrai potin, genre je l'ai appelé 7 fois. En fait, moi j'aime trop embêter Andy parce que ses réactions me font rire. Genre là, je vais l'appeler, je vais juste dire bonne nuit, elle va être en mode. C'est
qu'elle reste douce. Non, elle peut t'insulter, genre elle peut te lâcher un. Mais t'es sérieuse, de... espèce de grosse conne. En fait, moi j'ai envie de voir la réaction. J'ai envie de la surprendre. Ouais, mais je crois que ça tourne à l'harcèlement et que c'est pas ok. Réponds. Je l'ai appelé 8 fois là, elle va croire qu'il y a un vrai scoop. C'est peut-être un peu toxique, ouais. Je restais une dernière fois. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Que tu ailles fermer les rideaux. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que je suis la plus jeune. Et que je l'ai dit en premier. Le dernier qui a mis ses mains sur la tête, il va fermer les rideaux. Alors là, tu n'y comptes. C'est celui même. Qui a dit qu'il est. Tu n'y comptes même pas. Tu ne me filmes pas. Je suis sublime, mais je veux pas offrir ça au public. Regarde le nom de contact que je t'ai mis dans mes contacts. N'importe quoi. Quoi? Tu viens de le faire. Désolé, mais Jules, il est éclaté à côté de moi. Va fermer les rideaux avant que je te bloque. Bloque-moi. Bonne nuit. Connasse. Non, Maya, c'est pas ok. Ta gueule. Tu dors de quel côté? Je sais pas, Marina, tu dors là-bas? Là, sa tête. Ouais. Enfin, si toi, tu peux ça me va, moi ça me va. Quoi? Good night. Hey, salut. Moi, ça, j'adore. J'ai eu ma petite. T'es belle là. T'es plus belle que sur le tapis rose. Mais frère, t'avais une robe, on aurait dit la tapisserie, frère. Bouffonne. Même ma valise, elle est très dans le thème. On est très cancerie chic tint. Bon bah voilà, c'est l'heure de rentrer à Paris. J'ai trop kiffé cette première expérience à cancerie. En plus, c'était génial parce que j'ai vraiment pu voir genre tous les backstage. Et j'ai trop aimé les séries que j'ai vues et c'est génial. Franchement, j'ai envie de revenir l'année prochaine. Donc Armani, s'il vous plaît, si vous pouvez redevenir partenaire l'année prochaine, ça me plairait beaucoup. Donc voilà tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci mille fois à Armani de m'avoir permis de vivre cette expérience et de vous la partager. J'ai trop kiffé, c'était génial. Et à l'année prochaine, enfin, pas vous, mais Cannes-Série, Armani Beauty, à l'année prochaine. Mouah. Non, tu fermes bien, tu fermes bien. C'est bon, c'est bien versé. Toi, ferme bien ta gueule.